Bonjour tous mes chers juristes et aux étudiants lambda qui ont envie de connaître leurs droits. Alors aujourd'hui, on va parler des masters de droit les plus insolites et des DU droit les plus insolites. C'est une vidéo qui est faite avec le recensement qu'a fait curiositéjuridique.fr, qui est un site qui parle de choses de droit, donc des curiosités juridiques. Et il a fait un classement, enfin il a cité quelques masters de droit et de DU insolites, et je voulais vous les partager parce que je trouvais ça sympa. Et je voulais aussi, par la même occasion, du coup, vous rappeler qu'il y a du droit partout, même dans vos cadrures de fenêtres. Donc voici 12 formations insolites que vous trouverez en droit avec la liste des masters. N'hésitez pas à aller sur leur site si vous voulez plus d'informations sur le sujet. Je vous renvoie sur les liens des 10 masters pour avoir plus d'informations. Voilà! Alors le premier master que je trouve super sympa et qui est insolite, c'est un master de droit de la montagne qui se trouve à Grenoble, à l'université de Grenoble. Il y a de l'histoire du droit de la montagne, par exemple dans les cours, de la sociologie et montagne, institution de la montagne, droit des sports, modalité de gestion des remontées mécaniques, assurance des activités, droit de la protection de la montagne, de la gestion de la forêt, du droit rural, prévention des risques naturels et gestion des risques naturels. Et du coup, bah voilà, c'est pour moi un master insolite pour vous dire si vous êtes fasciné du droit de la montagne et des sports d'hiver notamment, mais pourquoi pas en faire votre master de droit. Vous avez à l'université Paris 2, Paris 2 Panthéon Assas. Faut savoir que Assas est réputé pour être un établissement de droit, une fac de droit où il y a pas mal de spécialités. Certains masters ne se retrouvent qu'à cet endroit-là. Un master qui s'appelle communication juridique, sociologie du droit et de la justice. Et là, vous ferez de la sociologie juridique, de la légistique, élaboration de normes, anthropologie juridique, sociologie des professions de la justice, politique criminelle, lobbying, journalisme et communication judiciaire et management de l'information juridique. Voilà, donc ceux pour qui vous êtes penché les matières plutôt historiques, plutôt philosophiques ou sociologiques du droit, ben c'est un master plutôt intéressant. Vous avez également en France, alors ils ont deux dénominations différentes et il y en a dans deux facs différentes, des masters en droit des spiritueux et vins, et droit de la vigne et du vin. Donc le droit de la vigne et du vin, vous pouvez le retrouver dans l'université Montesquieu à Bordeaux, Reims-Champagne-Ardennes. Là vous avez de la géographie viticole, de l'histoire du droit de la vigne, initiation à la dégustation œnologique, droit social viticole, fiscalité et comptabilité viticole, droit d'appellation d'origine, anglais viticole, vin et médecine, marketing des vins et des spiritueux, enfin bref, si vous adorez la boisson et que vous voulez une bonne excuse pour vous dire que effectivement oui, le vin ça peut être votre métier, et bien voilà, vous avez un master de droit en vin et spiritueux que vous pouvez retrouver dans deux universités en France. Vous avez également du droit des activités spatiales, et ça je trouvais ça hyper intéressant. Je sais que beaucoup auraient aimé être astronaute quand ils étaient jeunes, malheureusement bah beaucoup de candidats et peu de prix à la NASA ou sur d'autres stations spatiales. Droit spatial et télécommunication, et ça vous le retrouvez à l'université Paris-Saclay, du coup en région parisienne. Et c'est la seule et unique formation en droit spatial de France que vous retrouvez à Paris-Saclay. Et il n'y a que deux équivalents dans le monde, donc c'est une formation de prestige quand même. Elle est classée dans l'une des premières en droit du numérique en France. Il y a pas mal de matières numériques aussi, en plus des activités genre droit des activités spatiales, droit des activités aéronautiques, programmes spatiaux habités, droit du renseignement, management des risques spatiaux, aéronautique et spatiaux, politique de cybersécurité, etc. Sur le droit médical et le droit maritime, vous avez pas mal de formations qui sont dans vos passions, donc si vous êtes effectivement encore une fois passionné par la médecine mais que vous n'avez pas réussi à faire médecine et que vous ne voulez pas faire médecine mais vous voulez être dans le droit de la santé par exemple, et plus spécifiquement dans un pan du droit de la santé, vous avez par exemple droit et économie de l'entreprise pharmaceutique par exemple, et dentaire, université de Lorraine, mais vous avez également, si vous êtes par exemple fan des fonds maritimes, fasciné de plongée, droit de l'environnement littoral et marin, parce que vous avez
du droit environnemental, qui est une formation classique qui se retrouve beaucoup et davantage encore aujourd'hui. Mais droit des littoraux marins, c'est quand même spécifique dans le droit environnemental, tout comme le droit montagnard par exemple. Vous l'avez à l'université du littoral Côte d'Opale, que vous avez pas mal de cours en référence avec les littoraux marins, etc. Vous avez également un master qui se retrouve un peu plus aujourd'hui, parce que quand même la gestion patrimoniale est un domaine assez connu en droit. Vous avez une spécificité à l'université de Limoges qui est la gestion patrimoniale des conflits familiaux. Donc c'est un master en droit des familles et du conflit, droit spécial de la filiation, des contrats de prévoyance, la psychologie des conflits familiaux, fiscalité des particuliers et traitement des ruptures. Pour continuer dans la thématique du droit environnemental, vous avez également un master de droit agricole et de l'espace rural, et ça vous le retrouvez à l'université de Poitiers. Beaucoup de personnes se retrouvent dans la situation où les parents sont dans l'agriculture, ont un terrain agricole cultivable ou vont posséder une propriété agricole. Pour ceux qui veulent avoir aussi une petite excuse pour ne pas forcément reprendre directement l'entreprise de papa ou de maman, mais toujours de rester dans ce que vous avez toujours connu, il y a cette formation en droit agricole. Baux ruraux, statut du fermage, transmission de l'entreprise agricole, protection sociale, les exploitants agricoles, contentieux agricole, entreprise agricole en difficulté, enfin bref, tout autour du droit rural et particulièrement agricole. Finalement, on finit avec deux masters qui sont dans l'univers numérique, très très numérique, parce que je sais que effectivement, cette année par exemple, c'est un très bon exemple, on a été toute l'année sur nos téléphones, nos ordi, etc. à suivre les cours de manière numérique, et c'est quelque chose qui est en voie d'expansion de toute manière. On a besoin de l'univers numérique, on a besoin de se spécialiser en univers numérique. Un à l'université de Côte d'Azur qui est droit algorithmique et gouvernance des données. Curiositéjuridique.fr disent que c'est un master qui vient d'ouvrir et qui a une spécificité de la formation au code, à la science des données, à la cryptographie, aux statistiques de droit appliqué, la cryptofinance, le cyber-risque, le blockchain, voilà, pour former les juristes aux problématiques numériques actuelles. Et je sais que ça va en intéresser certains, d'ailleurs, notamment ceux qui sont très intéressés par l'univers technologique et numérique, qui sont déjà un peu dans ce milieu-là. Et vous avez également du droit des données, des administrations numériques et gouvernement ouvert à l'université de la Sorbonne. Donc là, c'est droit des administrations numériques, droit des communications numériques et cybercriminalité, et financement de l'économie numérique. Droit des données publiques par exemple, droit des contrats publics informatiques, droit de la dématérialisation des marchés publics, droit étranger du numérique. Continuez dans cette lignée-là. Je vais également vous proposer un DU. Donc un DU, c'est un diplôme universitaire. Généralement, ça se fait en parallèle d'un master. Enfin, souvent, on le fait en parallèle d'un master où on commence à travailler. Souvent, les DU sont payants, mais ils peuvent être payés par l'entreprise pour laquelle vous bossez. Donc, généralement, vous trouvez différents types de profils dans les diplômes universitaires. J'en ferai dans une autre vidéo si ça vous intéresse que je parle des DU, parce que c'est très intéressant également. Voilà, pour avoir une formation complémentaire ou avoir une spécialisation dans un pan précis, d'un domaine précis qui vous intéresse. Et là, vous avez deux DU auxquels je vais vous parler, qui sont des formations également insolites et qui étaient mis dans le classement de curiosité juridique, notamment un DU numérique également, le DU juriste 2.0 qui est à l'université de Reims. Et là, il y a du contentieux des plateformes, contexte et typologie des attaques cybercriminelles, perspective de la cybercriminalité, les devoirs des entreprises et des citoyens sur l'univers numérique, droit de l'intelligence artificielle, sensibilisation au codage, nouveaux outils juridiques, notamment le blockchain, smart contact, legal tech, des choses qui sont vraiment en voie d'expansion et qui vont vraiment exploser, notamment sur le marché de l'emploi dans les années qui vont arriver, parce qu'on a toujours besoin d'un spécialiste en droit numérique, et c'est des formations qui viennent d'ouvrir. Donc on n'est pas du tout encore spécialisé dans ces domaines-là, en tout cas en France, pas encore du tout. Et je finirai avec un DU qui est souvent demandé, une formation qui est souvent demandée, parce qu'il y a beaucoup de passionnés dans ces domaines-là. Un DU en droit animalier, beaucoup de gens sont intéressés par les animaux, et sachez que ça existe, c'est à l'université de Limoges. C'est une formation
formation qui est en partenariat avec notamment 30 millions d'amis. C'est une formation qui est sur 10 jours, donc c'est une formation très courte, c'est un DU très court. Donc généralement les DU sont sur un temps limité, elles ne sont pas sur toute l'année. Et là, dans ce DU là, vous faites du statut juridique de l'animal, l'animal et la philosophie, de l'histoire et de l'anthropologie juridique de l'animal, du droit animalier, l'animal comme un être sensible, parce que vous savez, et ça j'en ai parlé dans une vidéo précédente, que l'animal était pendant très longtemps considéré comme une chose, l'animal comme être vivant, toutes les informations relatives au master, je vous laisserai en lien en barre d'infos le site de Curiosité Juridique pour retrouver la formation qui vous intéressera peut-être, et puis je reste disponible si vous avez des questions comme d'habitude. C'était Ifa Jumens Media, les chaînes qui s'intéressent à vos droits.